le catcheur qui va entrer maintenant, tout de suite. Ah bah oui, tout de suite maintenant, il cache maintenant, parce que là, faut plus traîner, là, voilà. Alléluia. Alléluia, il mesure 1m88 pour 100 kg. Et je vous encourage à regarder son titantron à l'écran, ça vaut le coup d'œil. Lancez le titantron, mes enfants. Tyron, 1m88, 100 kg. Il vient de South Central à Los Angeles. Il paraît qu'il passe ses week-ends avec Booba Smith carrément. À Miami, a fumé les meilleurs cigares cubains. Et il me semble l'avoir vu dans une émission Pimp My Ride. Tyron, acclamé Tyron! Monsieur Tyron, votre adversaire de ce soir mesure 1m80 pour 95 kg. Un peu en dessous de votre poids, manifestement. Mais serez-vous plus fort? Allez, bien, je ne sais pas. Bien! Il est d'une puissance inégalée sur le ring. Il est détenteur de la ceinture des gladiateurs, Belisarios. Sa puissance est comme la foudre. Sa puissance est comme l'éclair. C'est l'éclair noir. Non! Lancez donc le titantron pour Monsieur Michaels, que l'on surnomme l'éclair noir. L'éclair noir qui a déjà lutté ici l'année dernière à Cérifontaine dans un match d'une rare violence. Le voici, mesdames et messieurs, Michaels, l'éclair noir, détenteur de la ceinture des gladiateurs, qui avait été présenté l'année dernière, ici même à Cérifontaine. L'un des catcheurs les plus violents au sein du ring, Monsieur Tyron, vous allez avoir à faire à forte partie. Il a les bottes de CM Punk, me disons, je ne sais pas. Mais à mon avis, il a dû effoler la CM Punk, car l'éclair noir n'a aucune limite et n'a aucune pitié. Ce soir, qui va être remise en jeu. Et oui, le champion remet son titre en jeu. Mais ça va pas se passer aussi simplement. On va pas les laisser s'affronter comme ça, bêtement et bêtement, en fait. Non. Monsieur Belisarios m'a demandé de déclarer un strap match. Si, un strap match. Un vrai strap match. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un strap match au moins avant d'applaudir? Ouais. Les catcheurs vont être liés par la main, merci, par le poignet. Pour gagner le combat, il faudra frapper les quatre coins du ring à la suite, avec la main bien évidemment.
J'aimerais que Monsieur Belisarios entre ici, le général manager, pour venir strapper, attacher nos deux lutteurs. Monsieur Belisarios, le général manager, qu'on peut applaudir bien fort, qui est le patron de tout ça. Alors, voici le strap. Tyrone décide d'être lié par la main gauche. On commence à encourager, c'est bien. Mais oui. Attention, ça se fait sous la plus vigilante surveillance de Monsieur Fontana. Monsieur, mais... C'est pas parce qu'il picole un petit peu que... Un petit peu. Le strap se fait toujours. Tyrone est lié donc par la main gauche. Scrupuleusement, voilà, l'adhésif est coupé. On refait un petit nœud. Voilà. C'est fini, ça ne peut plus être enlevé, sauf par chirurgie. Non, non, je blague, bien sûr. Voilà, et maintenant on va attacher l'éclair noir par l'autre bout. La ceinture des gladiateurs qui va donc être remise en jeu ce soir. L'éclair noir risque très très gros parce que Tyrone n'est pas un adversaire qu'il faut prendre à la légère. Ah, petit geste superstitieux, on touche le dragon pour se donner de la force. Oui, c'est un dragon en fait sur la ceinture, c'est pas une huître. Ah non, 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 c'est un dragon. Ah, ça commence, non! Monsieur l'éclair noir, si vous refusez de frapper, vous êtes perdez votre titre instantanément. Vous acceptez? Je crois que l'éclair noir ne peut pas faire autrement. Sachant que ce match sera extrêmement dur puisqu'il n'y a aucune disqualification, on ne peut pas briser les cordes, le compte hors du ring ne compte pas, non, l'arbitre, M. Fontana, n'est là que pour compter 1, 2, 3, c'est simple, c'est limpide. Oh bah les chaises, les tables, le public, tout va être mis en... bien sûr, on va utiliser tout. J'ai envie de dire planquez vos enfants parce qu'ils vont s'en servir pour taper, se taper dessus. Alléluia ! Alléluia ! Le strap est mis, apparemment ça tient. Monsieur Belisarios, tout va bien ? Merci. Je tiens. Mais je vous en prie, vous êtes... Ceinture remise en jeu ce soir. Ok ! Ouais. Mesdames et messieurs, que le combat commence! Merci monsieur Snatch, la cloche est sonnée! Qu'est-ce que. Ah non! Ah non, qu'est-ce qui se passe? C'est un dragon de tout temps peut-être, mais non, j'ai l'impression que c'est une autre. C'est plutôt une dragonne! Donc, j'ai gagné mon match. Ah si, 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 si. Et je veux le titre exactement. Exactement. J'ai le droit de choisir l'adversaire que je veux. Pour le 26 avril à Saint-Georges-sur-Loire, eh bien je prendrai le détenteur du titre. Eh ben ouais, au moins ça mérite d'être clair.
celui qui gagnera la ceinture se battra contre Galatorn à Saint-Georges-sur-A. Sur là. Au moins c'est clair. Bien. Qu'est-ce que... Voilà, merci. Allez, on y va. Mais là, cessez de jouer avec cette sonnette, monsieur Snatch, s'il vous plaît. Et ça y est. Et les manchettes commencent. Match sans disqualification. Les gifles. Tyron ne va pas aimer. Et c'est parti. C'est de la lutte. C'est de la bagarre de rue. Ce sont deux Street Fighters. Ah, le ring tremble. Allez, faites un peu de bruit. Et la première prise est pour Tyron. Voilà. L'ami de Booba va lui faire écouter un rap à sa façon. Des coups de poing qui vont sonner l'éclair noir. L'éclair noir qui voit déjà 36 chandelles. Et hop! Évidemment, on peut se servir de l'élasticité du strap pour donner de l'élan à ses prises, bien évidemment. Pour l'instant, les encouragements sont pour Tyron. Vous pouvez faire plus de bruit que ça. Tyron est à la pêche. Il a une touche. Il utilise les coins pour sonner l'éclair noir qui, pour l'instant, n'a rien pu faire. Alléluia. Allez. Allez. Et deuxième service. Je vais me reculer parce que... Ah, les reins écrasés sur le bord de ring. Tyron, n'hésite pas, Tyron. Veux la ceinture, alléluia. L'éclair noir se fait manchetter le dos. Il va attaquer encore une fois. Voilà, troisième fois que la tête de l'éclair noir rencontre le ring. Des machettes. Tyron met une véritable rouste à l'éclair noir. Attention, et c'est une catapulte. La mâchoire de Tyron vient de rencontrer l'un des coins du ring. L'éclair noir, Michaels reprend du poil la lavette. Ah, l'éclair noir utilise le strap pour fouetter et pour étrangler. Et pour étrangler Tyron qui suffoque. Il faut, je pense, encourager Tyron qui commence vraiment à suffoquer. Faites un peu de bruit, applaudissez Tyron. L'éclair noir montre Tyron à ses fans pour leur montrer qu'il n'est rien au final. Et ça revient sur le centre du ring. Tyron est épuisé. Il était privé d'oxygène. Encouragez-le pour qu'il se relève. Faites du bruit. Alléluia. Réveillez-le. Réveillez-le. Mais l'éclair noir se mève de lui. Et c'est des coups de pied en pleine mâchoire. Ça se passe très 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 mal. Très 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 mal pour Tyron qui va avoir bien du mal à gagner le titre. Galatorn. Galatorn a une attitude sphingienne. Elle observe le match. L'entrave gêne pour les prises, manifestement. Il va falloir faire avec. Il faut travailler avec l'entrave et non contre elle. Est-elle une fronde? Tyron prend l'éclair noir pour s'en servir comme projectile. Et il lui rend la monnaie de sa pièce. Il le fouette. Il le flagelle. Le petit chien, me dit-on derrière, je ne comprends pas pourquoi. Ah mais oui, la laisse. Mon Dieu, qu'ils sont intelligents.
devant vos encouragements, vous pouvez faire plus de bruit que ça. Il veut le titre. Un point de ring. Non, il doit taper consécutivement dans l'ordre. Déjà, il a un point mort. Il a un point mort au bout de sa chaîne, de son strap. L'éclair noir est épuisé et passe par-dessus la troisième corde. Non. Attention. Attention. L'arbitre n'a le droit de rien faire pour ce match sans disqualification, sans rien. Non, non, Monsieur Fontana est impuissant. Non, 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 mais c'est pas ce que je voulais dire, enfin... Quelle attente, vous ne devez pas intervenir. Si Galaton intervient, il y a disqualification d'office. Voilà, ça au moins c'est dit, c'est clair. Donc Galaton, je pense qu'il faudrait mieux que vous restiez à votre place. Et que derrière vos yeux glauques, vous n'appliquez pas vos plans diaboliques pour cette fois. Oui, oui, je vous regarde. Et ça s'invente toujours au centre du ring. Tyrone. Des coups de pied dans l'épaule. Pour l'instant, l'éclair noir a l'air extrêmement circonspect. Il est calme, il est précis. Il a la ceinture et il veut la garder. Et il veut la garder, la ceinture. Et une descente sur la clavicule de Tyrone, qui est maintenant pris en prise du sommeil. Non, il vit encore. Il vit encore. Il est toujours là, encouragez-le, alléluia. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Et il se débat de sa prise. Et il recommence, il reprend l'avantage. Non. Il trébuche, il s'écroule. Il est épuisé. L'éclair noir défie Galaton du regard. Ah, va savoir. Il lui passe en dessous. Et il lui écrase le service trois pièces avec le strap. Là, on a beaucoup de mal à se relever d'une prise pareille. L'éclair noir ne recule devant aucune bassesse et devant aucun coup bas. Tyrone vient d'avoir des machins remontés dans la gorge. Alors, il y va calmement, sûr de son coup. Et deux, toujours calmement, toujours sûr de son coup, il va taper sur le troisième. Et trois, c'est fait, et ben non, beaucoup trop confiant en lui, coup de la corde à linge. Et Tyrone reprend son souffle. Il a reçu des coups d'une extrême violence. Il faut qu'il se remette. Encouragez-le encore. Il peut le faire. Tyrone peut y arriver. Tout Los Angeles le regarde. Tout ça au Central. Tyrone relève l'éclair noir. Attention. Étranglement. La prise a été détournée par un ciseau. Et là, c'est la torsion du bras, le bris de l'épaule et l'étranglement. Alors, c'est horrible, Tyrone est tout bleu. L'étranglement, ça y est, sa tête repose sur le sol, il est inanimé, je pense que... Ah non, il bouge encore. Ah bah de fait oui. Allez, on
commence. Premier coin. Deuxième coin. La ceinture n'est pas entre vos mains encore, Tyrone. Troisième, non. Tyrone n'arrive pas à mettre à mal l'éclair noir. Mais vous avez un point mort. Hop, coup pied sauté dans les cordes. Dans l'estomac maintenant. Il veut faire descendre mon étage. Ça y est, c'est fait. Maintenant, il va le traîner. Il s'assure qu'il est bel et bien KO. Tyrone ne se relève pas. Ouais, alléluia, oui, j'aimerais vous y voir. Ah ben, les bras trop courts. Eh oui. Ça ne marche pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je prie? On peut rien contre Michaels. En plus, il va descendre me casser la gueule. Projection dans les cordes, non. Détourné. Grâce au strap. Oh, il remonte sa prise. Il remonte sa prise. Et l'enfourchement. Il le promène comme une prise de guerre. Ah. Oh mon Dieu, oui, comme vous dites. Les deux sont au sol, épuisés. Relève-toi, qu'on lui dit. Eh, mais... Fontana veille bien à ce que les règles du catch sont respectées. No contest, no comment, je ne sais pas. Je ne sais. Tyrone essaie de se relever. Michael se relève également. Il va toucher le premier coin. Le fait-il? Je pense qu'il voit 36 chandelles. Je pense que ça fait brouiller. Tyrone ne veut pas lâcher le morceau. Raté! Les canards l'avaient vu venir. Et depuis la troisième corde, le crossbody. Premier coin. Deuxième coin. Troisième coin. Et le quatrième va être... Non! Au dernier moment. Toujours rien. Des manchettes, des droites. Mais Tyrone ne veut pas lâcher le morceau. Ils sont unis par les liens sacrés du... Ouais, je sais pas. Et c'est le coup, dans le pelvis. Ou dans le pubis, je sais plus. Tyrone est encore par terre. L'encouragerez-vous pour qu'il se relève ou bien? Aïe, 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 aïe. Le crocodile est appliqué. La torsion sur les vertèbres est immense. C'est une prise extrêmement douloureuse. Mais on ne peut pas faire casser la prise en tenant les cordes. Ce n'est pas possible pour ce match. Assez bleu. Je ne sais pas, il faut peut-être que les photographes fassent quelque chose. Je ne sais pas, mais... Bah non, forcément. Ah, ils sont empoignés comme des pugilistes. Il n'y en a pas un qui va lâcher le morceau. Projection dans le coin. Il le charge. Il le jette. Et un kick en plein sternum pour couper le souffle. C'est l'occasion à prendre, monsieur Tyrone. C'est l'occasion à prendre. Allez, on fait du bruit, on encourage. Deux coins sont sonnés alors que nous sommes déjà à presque un quart d'heure de lutte effrénée. Ah bah oui, le temps passe vite quand on s'amuse. Oui, alors effectivement tout est relatif parce que ça devrait être très très long pour les deux. Ouais, mais j'aimerais vous y voir. Les deux sont liés, ne peuvent rien faire, peuvent utiliser le strap. Alors avantage.
Et le coup a claqué en pleine poitrine. Tyrone est au sol. Maintenant, il va falloir le recharger sur le ring pour aller taper les coins. Oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Des kicks, des coups de pied, des coups de tibia dans la poitrine. Il le savate. L'éclair noir semble ne pas trop savoir ce qu'il peut faire du poids qu'il a au bras. Le collier, viens mon copain que j'entends dans les tribunes. Qu'est-ce qui se passe? Il le présente à Monsieur Belisarios. Reste, Tyrone. Non, là je crois que c'est terminé. Tyrone n'a plus d'énergie. Tyrone est au sol et l'éclair noir va garder son titre, mesdames et messieurs. Je pense que ça fait pas l'ombre d'un doute maintenant. Il se moque de lui, il le toise. Tyrone tente de se redresser, il appelle à l'aide. Monsieur Belisarios montre la ceinture pour essayer de l'encourager, mais rien n'y fait. Et Michael, c'est l'éclair noir, est comme le harponneur qui vient d'attraper la baleine. Il joue avec sa proie. Ah, chut. Il est d'une cruauté. Cet homme ne change pas. C'est toujours un monstre. Attention. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, ça a pas sonné assez fort, ça. Dommage. Ah! Vas-y, tue-le! Il est en train de s'amuser avec sa proie. Comme un chat avec une souris. En même temps, il faut faire la taille de la souris. Allez, prends-le, vas-y! Non, rien à faire. Tyrone tente, mais il n'a plus de force. Tandis que nous sommes presque à la 20e minute du match. Imaginez le degré d'épuisement des deux lutteurs. Attention, ça va pas bien se passer. Et ça, mes enfants, descend de son piédestal. Et Tyrone reprend du poids de la bête. Il se redresse. Il veut ramener la ceinture des gladiateurs à Los Angeles. Et il reprend un second souffle. Il le sert, voilà, il est déchaîné. Et encourage. Des coups au plexus. C'est l'exécution, c'est le final, c'est le finish. Va-t-il arriver à abattre l'éclair noir et ensuite à toucher les quatre coins? Non. Et malheureusement, Tyrone a trop parlé. Tyrone, qu'est-ce qui se passe? Tiens, Francisco Vega est arrivé, qu'est-ce qui se passe? Non mais ça devient une habitude là, qu'est-ce que... J'aimerais un peu plus de discipline quand même dans ces matchs. L'éclair noir est complètement... Il est au troisième coin et n'arrive toujours pas. Vega à l'entrée, ça y est, intervention! Intervention Galatone! Qu'est-ce qui se passe? Non! Non! C'est une disqualification! Le match n'a pas lieu! Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Fontana, disqualification. Oui, il a tenu 4 fois, donc il a remporté, donc voilà, intervention. Eh ben oui, comme l'année dernière, il récupère sa ceinture! Exactement, monsieur! Comment peut-on dire cela?
Francesco Vega et Galatone sont intervenus. Et Galatone veut la ceinture maintenant. Galatone veut la ceinture que conserve Michael Desclernoirs, que l'on peut applaudir quand même, car il conserve son titre. Tandis que Tyrone chie au sol, sans connaissance, et que les adversaires sont toujours attachés. On applaudit le vainqueur, mesdames et messieurs, quand même. Francesco Vega essaie de sortir le corps. Tandis que monsieur Belisarios détache les adversaires, les déstrape. Monsieur Fontana fait de même. Ça y est, le calvaire est enfin fini. Non, non, effectivement, vous avez raison, monsieur, ce n'est jamais fini. Une nouvelle fois le titre de la ceinture. C'est un homme brisé que j'ai en face de moi. Un homme...